Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre de Julie Cohen, une autrice américaine. Louise et Louis. Donc on dirait que ça parle du genre. Oui, Louise, oui, un peu. Ce dont il s'agit surtout, c'est l'histoire d'un couple. Qu'est-ce que c'est qu'un couple et comment est-ce qu'on fait pour que ça dure dans le temps? Au début, c'est un récit linéaire, unité de temps, unité de lieu. On suit l'histoire d'un couple dans le Maine, Casablanca. 1918, naît un enfant, Lou. Par des chapitres alternés, on ne saura jamais tout au long du livre si Lou est un garçon, Louis, ou si Lou est une fille, Louise. Par contre, on va les suivre tout au long de l'adolescence. Louis et Louise vont avoir les mêmes cheveux roux, les mêmes envies, les mêmes connaissances, les mêmes amis. Ils seront amoureux de la même personne et tous les deux veulent devenir écrivains. Survient un drame au moment de l'adolescence. Au cours du livre, on comprendra quel est ce drame qui est différent pour l'un et pour l'autre, mais qui concernera la même personne. Louis s'en va et devient écrivain. C'est un homme marié. Louise, elle vit à New York. Elle est devenue enseignante et elle est mère célibataire d'une jeune adolescente. Survient un événement, c'est leur mère mourante, qui les ramène tous les deux à Casablanca. Et là, à nouveau, on suit leur cheminement, tous les deux. Il va y avoir comme un phénomène de réconciliation, de résolution de tout ce qui a pu se passer dans leur vie, qui va les amener tous les deux, plus ou moins en paix avec eux-mêmes, à être une seule et belle personne épanouie. On peut dire qu'à ce moment-là, revoit la Lou, l'unique. Ce n'est pas un livre à thèse qui va parler de façon scientifique et engagée du phénomène du genre. Le genre, c'est juste un pitch, un point de départ, qui donne au roman une forme. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner à la page YouTube de la bibliothèque. Merci, à bientôt.